On va passer maintenant. Non, pas ça. Au truc assez important quand même, au cylindre, c'est que j'enlève le blowback. Le blowback, lui, il ne sert strictement à rien, sauf à faire du bruit, sauf à écourter la durée de vie. Donc, on enlève ça. Ça, c'est joli, il faut garder. Et le blowback se fait ici. D'accord? Je vais montrer ça tout de suite. Hop, on dévisse ça, ça. N'oubliez pas qu'il faut retirer ce truc-là, ne pas perdre surtout. On met ça là-dedans, on ouvre. Petite précision, il faut toujours mettre des lunettes, que je n'ai pas mis d'ailleurs, je vais aller les chercher. Il est important, primordial de mettre des lunettes de sécurité. Des lunettes d'airsoft, tout ce que vous voulez, parce que moi je me suis déjà pris ça. Le guide ressort dans la gueule, dans les yeux. Heureusement pour moi ce jour-là, j'avais les yeux fermés. Sinon, je perdais mon œil. Bon, bref, on revient à nos moutons là. Moi j'enlève le blowback et ça écoute la vie de votre piston. Celui-ci je l'ai mis en configuration 1 joule. Ça veut dire M100, Madbull je crois, bleu. Ça faisait 1 joule. Maintenant je veux passer mon truc en DMR. Donc je veux un truc un peu plus fort. Ce que je vais changer, premièrement, c'est le cylindre et tout le bordel. Avec ceci, avec un guide ressort monté sur roulement, tête de piston et tête de cylindre. Champignon. J'ai un cylindre 3/4 qui est percé, mais parce qu'il y a ce trou là, voici le volume réel sur lequel on travaille, d'accord? Si on veut travailler avec un maximum de volume d'air compressé, il faut prendre tout le truc. Et c'est là que vient jouer le rôle du cylindre plein, très important. Sur les split gearbox, il ne faut rien mettre d'autre que le piston orange. On prend ceci, hein, nouveau, plein, on prend ça. Sans déconner, ça vaut des sous, mais vous pouvez jouer avec vos trucs d'origine, hein, c'est pas un problème. C'est juste que moi je préfère, j'ai les moyens de le faire, je le fais. Je vois pas pourquoi je vais me priver. Il y en a à la place, contrairement à moi, ils mettent du téflon, c'est bien, mais moi ça ira parfaitement. Ils sont bien parce qu'ils sont double joint. Il y a très peu de chances qu'il y ait des fuites là-dedans. Hop, on insère ça là-dedans. Ah oui, tout à fait. Donc l'avantage c'est que voilà, il a la forme d'un champignon, le cylinder head. Il faut aussi foutre le tête de piston qui va bien. C'est justement parce que il a cette forme là, forme de champignon, que ça va atténuer et adoucir un peu quand ça vient frapper le, quand le piston vient frapper là, ici. Du coup ça, le son il devient très 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 étouffé. On entend vachement moins la réplique. Ça fait un peu des pédonnes, tu vois. C'est important. Donc on retire tout le bordel. Hop. C'est monté sur une bille, hein, même d'origine. Ce qui est excellent. Gardez précieusement ces pièces-là. Ne les jetez pas. Parce qu'ils fonctionnent. Et tu pourras les réutiliser sur d'autres pistons. Alors moi, la technique, c'est que j'ai foutu ça. Directement sur les billes. Hop. Mets le truc au cul, là. Je lui mets la vis. D'accord, ça c'est ma technique à moi. T'emmènes le piston là. Ensuite, la tête de piston. Tu visses un petit peu. Ça serre et hop. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer énormément. Parce que sur la vis, il y a déjà du Loctite, la Loctite en français, sauf que ça s'appelle Loctite, qui permet justement de, c'est des trucs au frein filé, voilà, trucs autobloquants, du frein filé bleu. Mettez toujours du bleu, parce qu'un jour il va falloir que vous le retiriez. Si tu mets du rouge, mec, tu pourras plus jamais retirer ton putain de frein filé. Ta vis sans baiser la vis, évidemment. Hop là. Et pour savoir si le joint du piston est encore bon, il suffit de mettre le piston là et d'y mettre le doigt. Si quand tu fais ça, bah c'est dur, ça veut dire que ton joint il est au top, d'accord. Hop, ça veut dire qu'il y a bien la compression qui est là.
quand le joint du piston il s'affaiblit, machin, il fait plus ça. Quand tu fais le test de la compression, il va jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il faut changer le joint piston. Et pas forcément tout le piston. On remet ça ici. Moi, par contre, je préfère y mettre de la graisse. À cet endroit-là. Parce que c'est toujours mieux. Hop. Comme ça, tu mets le bousin. Ça coule ici, il y a de la graisse. Tu tournes au tiroir. Je mets le tapet plate qui est là, à cet endroit-là. Hop, petit coup de nettoyage. Ça fait pas de mal. Hop, on remet ça là-dedans. Ici, il y a un petit ressort sur le tapet plate. Faut pas l'enlever, faut pas le perdre. Il suffit juste de tirer. D'accord, hop. Ouais. Tirer, remettre sur le poteau qui est là. C'est fait exprès. Ça se vient foutre là-dedans. Tu vérifies qu'il y a la tension, back and forward, et puis c'est bon. Et là, tu vérifies que tout est calé, tout est bien droit. Tu vérifies aussi là. Ça, c'est important de vérifier de l'autre côté que ça rentre ou pas. Si c'est mal branlé, ça rentre pas. Bon ben, petite mise à jour. Quand vous achetez un cylindre plein de chez ICS, il se pourrait que ça rentre pas. Pas très bien là ici. Voilà. Moi j'ai les machines, j'ai tout ce qu'il faut pour. Et tout à l'heure quand j'ai mis, bon, j'ai vérifié, c'était pas net quoi. Bon, ça arrive. L'airsoft, de toute manière, ça arrive plus qu'on le croit. On achète des trucs, il y a bien marqué, ça rentre dans telle ou telle réplique. Nos soucis, mais il faut quand même toujours modifier un truc ou deux. Toujours. Et c'est pas mon copain Roger qui va dire le contraire. Que je salue au passage. Si vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas le cylindre plein chez ICS. Si vous n'avez pas le matos pour, c'est pas la peine. Vous allez forcer, vous allez péter votre truc, vous allez pleurer. Que ça coûte, franchement, faut pas faire le con avec quoi. Ça M130, on va atteindre les 1,5-1,6 si tout va bien. J'espère que ça va pas trop dépasser. Et pour finir, je mets un guide ressort sur roulement à vie. Un petit coup là, on remonte le tout. Voilà, c'est à ce moment-là précis où tu as besoin de lunettes pour faire ce que tu as fait. Parce que sinon, tu te le prends dans la gueule ce truc. Mais alors là, d'une force éteinte. Tout le reste du process, ça va. Mais là, et heureusement que ce sont des split gearbox. Après, là, il y a la gymnastique des doigts. Que moi, maintenant, j'ai l'habitude. Mais quand t'as pas l'habitude, c'est franchement. C'est chialé à faire, quoi. Voilà, on ferme. Là, on est bien. On vérifie que la gearbox, les trails, soient déjà top. Parce que des fois, le piston, il se fout de traviole comme ça. Tout petit. Et tu n'arrives pas à complètement fermer le upper de cette manière. Non. C'est qu'il y a un problème. Tu rouvres tout, tu refais tout. Petit coup de serrage, tout petit, tout léger. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. Petite vérification. Faut pousser ce truc là pour voir si à la tension, si le tapet plate il est bien comme il faut. Et là, tu l'emmènes tout le bousin. Comme j'ai dit, on ferme la réplique et on s'assure que ça, sur la partie plate, plane, je sais pas comment on dit en français là. D'accord, faut pas qu'il y ait dedans. Donc ça, quand tu la fermes ce truc là, quand tu fermes la réplique, voilà, il se fait tout seul, pas besoin de forcer. Les lipos, il faut un chargeur lipo qui va avec. D'accord? Et une lipo, tu joues pas avec jusqu'à ce qu'il s'épuise. Tu fais pas l'idiot. Voilà, il est impératif quand on joue en lipo d'avoir ceci. Ça, c'est un testeur. Il va te dire combien de jus il te reste dans ton machin. Il y a un sens. Le moins se trouve ici, le reste c'est que 10+. Donc, le noir qui représente le moins sur le moins. Et tout le reste c'est que 10+.
et il te dira, hop, voilà ce que ça fait. Tu mets et il sonne. Et il te dit surtout combien ta batterie fait et combien de volts dans chaque cellule. Ça c'est un 3S, ça veut dire qu'il y a 3 cellules. Numéro 1, 384. Numéro 2, 384. Numéro 3, 385. Le taux fait 11,5. D'accord? Ça, tu peux le laisser dessus et programmer. Jusqu'où? Là, c'est 3,30. Il y a un petit bitonio, hop, 3,30. Moi, je l'ai réglé pour 3,30. Mais si tu le règles pour 3,90, par exemple, ah, off, peut pas. Donc, ça, tu règles pour qu'il te prévienne justement qu'à 3,30 par cellule, il va sonner. Il va te dire arrête de faire le con. Il faut que tu changes ta batterie parce que les lipos, si tu les pompes jusqu'au bout, tu as deux solutions. Soit elle se fout juste en l'air, tu peux plus la réutiliser, elle est morte. Soit elle peut prendre feu. Et c'est le deuxième cas que tu veux pas. Prendre feu. Donc, mon idiot, ne les drainez pas ces batteries-là. Tu sais qu'à peu près avec un truc à 1300, tu fais en semi 1000 billes. Allez, non, mais non, pas 1000 billes. Ouais, je dirais 1000 billes, moi. Facile, hein. Vraiment. Hop, on essaye. On s'est mis, on est bien. Et là. Nickel. Allez, on va passer au chrony. J'ai une moyenne de 1,65. Quoi, un DMR? Enfin, voici à quoi mon DMR va ressembler, quoi. Voilà. Bon, tout de suite, je fais des tests de tir sur 40 mètres, parce que j'ai que 40 mètres. Donc, à toutes. Ha ha ha.